Hey, comment allez-vous? Moi, je vous avoue que je me sens pas très très bien étant donné que je suis stressée puisque vous avez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais acheter des billets pour aller voir un billet du coup puisque j'y vais toute seule pour aller voir Justin en concert le 26 mars 2023. Oui, je sais, c'est très très loin. Je sens que je vais être très très impatiente, mais je suis stressée. Je déteste acheter des places de concert, encore plus pour lui parce que j'ai un très mauvais souvenir. Alors attendez, parce que là il est 8h56 et normalement les préventes elles ouvrent à 9h aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre. Et la vente elle est à 10h. J'ai très très peur. Du coup, oui, je disais que j'ai un mauvais souvenir de la dernière fois puisque lors de sa dernière tournée, c'était en 2016, à la base il n'y avait qu'une date à Paris, c'était le 20 septembre 2016. Sauf que le jour où j'avais voulu commander les places, j'étais arrivée sur le site et il n'y avait strictement plus aucune place, mais vraiment il n'y avait plus rien. Et j'ai failli quitter le site, sauf que à ce moment où j'allais cliquer sur la croix pour fermer la page, ça annonçait qu'il y avait une seconde date, du coup le 21 septembre 2016, où j'y étais. Et je vous avoue que du coup j'étais bien placée parce que j'étais une des premières sur le site en fait. Et j'avoue que là ça me fait encore plus flipper, surtout je sais qu'il y a déjà eu une prévente hier. Pour ceux qui avaient une carte American Express ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, on va attendre. Oh, plus que 3 minutes. Oh, je déteste acheter des places de concert, surtout pour lui. C'est encore, il y a des chanteurs, des célébrités que j'ai déjà été voir en concert, que franchement, acheter une place, c'était juste hyper simple. Genre, j'ai acheté une place pour aller voir les Little Mix. Enfin, j'avais acheté deux places pour aller voir les Little Mix, c'était hyper simple. J'avais été voir Machine Gun Kelly, c'était juste hyper simple. J'ai acheté les billets pour Youngblood, c'était hyper simple, sauf que le concert il devait avoir lieu au mois d'octobre, il a été repoussé au mois de mai, mais je sais pas encore si je vais y aller du coup parce que les hôtels ils sont grave chers. Je comprends pas pourquoi moi je vis pas à Paris. Donc j'ai toujours besoin d'avoir un hôtel, mais du coup Youngblood je sais pas encore, mais je sais que c'était hyper simple pour acheter une place de concert. Mais par contre Justin, c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer pour acheter une place de concert. Putain, ça fait quand même 2016 que j'ai été voir la dernière fois. Putain, ça remonte. 2016, 2020, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2020. Oh, ça fera 7 ans en 2023. Ah bah oui, c'est écrit en plus sur le... c'est écrit sur le site. Bref, putain, ça fait 7 ans. Du coup, là, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu en concert. Ouais, ça fait du coup 5 ans le 21 septembre. Je vous avoue qu'il m'a manqué et j'avais réellement besoin de voir. Et en plus, j'ai envie de dire que j'ai un peu manifesté. Enfin, je sais pas s'il y a que moi, mais du coup, j'ai un peu envie de dire ça parce que... Une minute. Parce que la semaine dernière, j'ai dit à je sais plus qui, ça serait bien si Justin annonçait enfin les dates européennes ou mondiales parce qu'il avait annoncé que les dates américaines. Et du coup, j'avais dit ça serait bien s'il les annonçait. Et il les a annoncés du coup avant hier. On est mercredi. Ouais, lundi. Il a annoncé ça lundi, du coup, le lundi... 15 novembre et j'étais juste hyper trop contente et depuis je suis juste une pile. Bon là ça se voit pas trop parce que là je suis stressée, mais sinon avant ça j'étais une pile. Il est 9h, il est 9h, il est 9h, il est 9h, il est 9h. Pourquoi ça marche pas? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'aimerais juste que la prévente en fait se mette en ligne et que je sache où ce que je suis dans la file d'attente. Comme ça je suis tranquille, je peux faire autre chose en attendant. Mais tant que je ne sais pas quand la prévente, enfin quand ça ouvre, voilà, je vais paniquer. J'ai jamais été aussi souvent sur Twitter ces 3 derniers jours parce que je déteste Twitter en fait à la base. J'y suis juste parce que Justin me follow. Il m'a follow en 2015 il me semble. Du coup, j'ai jamais désinstallé l'application parce que j'ai pas envie de perdre son follow. Je sais que ça peut rien dire en vrai. Mais voilà, je vais jamais sur Twitter sinon. Sauf ces 3 derniers jours pour avoir les informations. Et là, il y a tout le monde qui est en train de paniquer, ça me fait rire. Enfin, non, je rigole. Ah, j'ai reçu un mail, mais non, c'était pas... j'ai commencé à flipper. En plus, je peux pas crier parce qu'il y a mon père qui dort. Je suis en état de nerf. Pourtant, j'ai bien dormi, mais je suis en état de nerf. Là, un paquet de nerfs qui a qu'une envie, c'est de craquer, en fait. Ah, vous avez vu mon beau sapin de Noël? Il est plus allumé? Ah si, il est allumé. Il est beau mon sapin de Noël. Oui, on est le 17 novembre, j'ai déjà fait mon sapin de Noël. Mais j'aime bien. Pourquoi vous avez pas ouvert à 9h? Vous avez dit que ça ouvrait à 9h pour la vente à 10h. Moi j'aime pas quand on me dit des choses qui sont pas vraies. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l'Accor Arena dès 9h45 si vous n'avez toujours pas reçu de lien de pré-vente.
Il est 9h04. Tu veux que je fasse quoi pendant ce temps à part stresser de ma vie? Et du coup, vous inquiétez pas parce que je sens que je vais publier cette vidéo dans la semaine prochaine du coup. Mais il y aura toujours une vidéo aussi dimanche qui suit. Du coup, il y aura deux vidéos par la semaine là. Parce que bon, j'ai pas envie de remplacer une vidéo habituelle par cette vidéo, même si j'ai envie de. Même si je l'aime bien. Mais voilà, j'ai pas envie de vous couper du contenu juste pour cette vidéo. Du coup, il y aura deux vidéos la semaine prochaine. Enfin, la semaine que vous voyez cette vidéo. Je sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, je le remettrai dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. C'est abusé. Pourquoi ils ont dit 9h alors qu'il n'y a rien à 9h? J'aime pas quand on dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est comme quand on dit je viens à telle heure et que tu viens pas à telle heure. Putain, ça me stresse. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit Justin Bieber's source always so stressing even after 12 years. Trop vrai. Du coup, les tournées de Justin sont toujours stressantes même après 12 ans. Et ouais. Putain, moi, ça fera 12 ou 13 ans cette année que je suis fan de lui. Oh, je sais plus. Ah non. Ah mais, ça fait 12 ans demain. Ça fait 12 ans demain que je suis fan de Justin. Et un moucheron devant moi. 12 ans demain. J'avais oublié. Waouh. Et du coup, je suis allée à toutes ces tournées sauf la première. Du coup, la tournée du My World, j'y suis pas allée parce que j'étais trop jeune pour aller à Paris. Toute seule, du coup. Mais sinon, j'ai fait toutes les tournées. J'ai fait le Believe Tour, j'ai fait le Purple Tour, j'ai fait le concert qu'il a fait l'année dernière pour le Nouvel An. Bon, c'est pas une tournée, je me suis pas déplacée, je suis restée devant mon ordi, mais c'était comme un concert pour moi. Donc là, ça fera le quatrième, du coup, si j'ai une place. J'aurai une place. Pourquoi j'ai décidé? J'aurai une place. Et normalement, si je peux, en fait, j'ai toujours hésité, enfin, j'aurais bien aimé aller en fosse pour Justin, mais je vous avoue qu'il y a certaines célébrités et artistes que j'ai peur d'aller en fosse parce que, enfin, Justin, en fait, il y a beaucoup de fans qui viennent des jours à l'avance pour attendre devant les concerts pour aller en fosse, et moi, je vous avoue que j'ai pas le courage de faire ça. J'ai le courage d'attendre toute une journée devant une salle, je l'ai fait pour Machine Gun Kelly, du coup, ça, j'y arrive, et il y a pas énormément de fans devant, j'étais même au premier rang au concert. Mais pour Justin, je me sens pas chaude de le faire. Du coup, je pensais aller en catégorie 1 qui est à 95 €, ou alors la classe or, classe, on dit classe, je sais plus, qui est à 111 €. Et honnêtement, pour la peu de différence de prix qu'il y a entre les deux, je pense que je vais prendre le truc or. T'es souhaité l'utiliser. Merci. J'aurais dû peut-être faire de la méditation juste avant. Non, en vrai, ça n'aurait servi à rien vu mon état de stress. Sachez que je suis sur le site depuis minuit. Hein. J'ai mis le réveil cette nuit à minuit pour me réveiller pour aller sur le site parce que je me suis dit peut-être que ça va ouvrir en avance et voilà, je voulais être bien placée dans la file d'attente. Du coup, à chaque fois que je me réveillais cette nuit, bah, je rafraîchissais la page, mais rien. Et là, toujours rien. Du coup, depuis minuit, je fais ça. C'est de la dévotion. Hein. Si vous voyez mes jambes actuellement, elles sont en train de gigoter, mais à un point, ça me stresse moi-même. En fait, le fait que je stresse me stresse. Il y a quelqu'un qui vient de dire le stress pour Justin, c'est pire que le stress de mes examens, je vous jure. Ouais, pareil, t'inquiète pas. Je viens de cliquer sur un lien de Ticketmaster et ça me met que la vente commence en 28 minutes et 22 secondes. Bah, du coup, ça sera mon cadeau de Noël. Ah bah, apparemment, j'ai trouvé le bon lien. Alors, je sais pas comment je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé. 1 hour later. Bon, je serai dans la file d'attente, je pourrai aller me servir un verre d'eau. 2 minutes. 20 secondes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Je suis 603. Ah non, ça y est, je peux y aller. J'y suis. Carré d'or, porte elf, rang 28. Ah, ça bug, il y a trop de monde, Allez, dépêche-toi, il ne me reste plus qu'à payer. Ça m'a dit que j'ai pas le droit de payer. C'est quoi ce délire? Votre panier est vide? Non, je veux pas croire ça. Je ne veux pas croire ça. Putain, il faut que je recommence tout à zéro. J'ai envie de pleurer. Bon, bah, je crois que c'est mort pour aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de place. Ah, j'y étais presque en plus. Ça me dégoûte. Bah, je crois qu'on va réessayer demain ou vendredi. Hein. Je crois que cette vidéo n'est pas terminée en fait. A few moments later. J'ai réussi.
Ah, je sais que c'était débile de pleurer pour ça, mais ça fait en fait 44 minutes du coup quand je vous ai arrêté, que j'ai dit que j'avais été que ça avait été annulé. Oh putain, j'ai dû tout recommencer et là j'insistais. Ça m'était qu'il n'y avait plus de place et j'insistais jusqu'à ce qu'il y ait une place, une seule. C'est validé. Bon, honnêtement, je pense que je serais moins bien placée que la première fois. Je suis toujours en carré or, mais je pense que je serais un peu moins bien placée. Je m'en fous. C'est tout pour moi.